Gabriel et Nour se rencontrent autour des « Un Café au Spoon dans Demain nous appartient » propose ce vendredi 27 janvier 2023 sur TF1. Nour fait croire à Gabriel qu'elle doit annuler leur sortie au spectacle du soir car elle rencontre un homme beau avec qui elle s'entend sur tous les plans. Gabriel, press affect, garde la face et se montre ravie pour Nour. Elle explique qu'il est aussi son amant, et Gabriel tente de lui faire croire qu'elle est la seule femme avec qui il a des rapports intimes. Gabriel montre des signes d'attachement et demande à Nour combien elle a eu de partenaires, mais leur relation libre permet à la jeune femme d'écarter toute question. Nour sait que Gabriel a eu un rapport il y a 2 jours avec une autre femme. Ce dernier souhaite des relations exclusives désormais. Gabriel met fin à sa relation avec Mélanie de vive voix au commissariat. Cette dernière, N, ayant pas d'attente particulière, demande à Gabriel de donner son numéro de téléphone à Stéphane déjà en couple avec Soraya. Par ailleurs, Mélanie rapidement tourne autour de Nortine avant que William ne s'en aperçoive et dissuade le petit ami de sa fille. Justement, Nour parle avec Firt à Soraya du fait qu'elle a rendu jaloux Gabriel avec une fausse relation. Soraya voit que sa droit d'auteur est ravidée, être autant désirée par Gabriel. Soraya et Nour ont compris elle, ambivalence de Stéphane et Gabriel. Pour se faire pardonner d'avoir offert à Soraya un bracelet ayant appartenu à une autre femme, Stéphane, elle, invite au restaurant. Va-t-il succomber à Mélanie par la suite? Par ailleurs, Adam va prochainement passer aux aveux face à la police dans Demain nous à Paris en révélant le secret de François. Cette trahison sera-t-elle fatale à la famille Léo? Demain nous appartient et à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.